Bonsoir à toutes et à tous, c'est la quotidienne sur LCN qui reprend. On s'interrompt toujours le samedi, le dimanche. Alors, il ne faut pas croire qu'on se repose le samedi et dimanche parce que des reportages sont faits le samedi et dimanche. D'ailleurs, on s'est retrouvés les uns et les autres hein, avec les caméras à la main. Mais en tout cas, ça nous fait très très plaisir de vous retrouver en plateau pour une nouvelle quotidienne avec Félix Bolaise. Bonsoir, bonsoir Félix. Sylvain, bonsoir messieurs. Avec Régis Legrand. Bonsoir Sylvain. Bonsoir, avec un invité qu'on a un plaisir à accueillir aussi. Je fais toujours un petit peu de suspense au début de l'émission, quelques secondes. Et tous ceux qui le connaissent l'ont reconnu. Les autres, on va le présenter avec grand plaisir parce que justement, on va aborder des thèmes particulièrement importants s'agissant de Rouen, du Grand Rouen, ce qu'on appelle les territoires. Et puis au-delà, la Haute-Normandie et même la Normandie. Voilà, ça sera juste après. Pour l'instant, Félix, le reste du sommaire. Oui, on va parler économie, donc on ne va pas faire de mystère plus longtemps avec Christian Herail, le président de la CCI de Rouen. En deuxième partie, on parlera des soldes avec la chronique conso de Frédéric Tafournel. On va recevoir un personnage très intéressant qui s'appelle Emmanuel Dilac. Il fait chanter les pierres. Elles et sont Régis. Là. Ouais, et puis, bon, moi, je ne fais pas chanter les pierres. Pas chanter, vous faites chanter les ballons de volley, les ballons de football. Vous faites chanter les palais aussi. Oui, bah oui, hein? Bah, le palais n'a pas beaucoup chanté ce week-end, malheureusement. Bon, on n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. On va y revenir en fin d'émission. On va parler OK. Évidemment. Vous auriez okay, peut-être préféré en parler autrement ce soir. Oui, mais ça fait partie du jeu. Bon, hein. C'est le sport en soi. Voilà. Les pierres, en tout cas, elles sont là, qu'évoquait Félix, vous voyez. Merci à François Leroy qui est en plateau ce soir avec nous. Peut-être de nous les cadrer. Bah, ces pierres, comme disait Félix, elles vont garder un peu leur secret jusque tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission parce que ces pierres, elles chantent. Pour l'instant, on aborde la première partie. On va parler économie. Mais attention, rassurez-vous, économie très pratique, économie très concrète, proche de vous parce qu'un territoire, au travers ses différentes infrastructures, eh bien, vous le fréquentez tous les jours et ça joue bien sûr sur notre vie quotidienne, sur notre vie au travail également. L'émission de ce soir commence maintenant. Ça vous énerve pas, Régis, non, que je reprenne toujours votre phrase fétiche? C'est moins bien, mais... c'est moins bien que quand ça, vous dites vous. Mesdames, messieurs, la quotidienne commence maintenant. C'était pour le sport avant dans votre émission sport. Voilà, mais vous nous le faites là un petit peu pour voir comment vous le faites bien? Non, mais pourquoi... Mesdames et messieurs, le 40e numéro de la quotidienne commence maintenant. Vous le dites très très bien et merci Régis de dire que c'est le 40e numéro. Ça nous fait plaisir, ça fait déjà une petite histoire qu'on vit avec vous tous les soirs depuis le 21 octobre. Et puis on vous rencontre, j'évoquais le travail qu'on faisait avec Félix ce week-end. Eh bien, on a rencontré par exemple Valérie de Rouen, on leur a promis une petite dédicace. Et puis qui... L'ancienne maire de Rouen. Non, c'est pas du tout le maire de Rouen, non, c'était une dame qui nous a dit qu'elle regardait la quotidienne, qu'elle appréciait beaucoup la quotidienne, ses variétés de sujets, tous les invités qui viennent à Pateau, parce que ce sont les invités d'ailleurs qui font la quotidienne. Et puis, un petit bonjour aussi à sa maman, Monique. Monique qui habite Gravigny. C'est fait. On peut maintenant commencer à l'économie territoriale. Mais Sylvain, vouliez justement poser la question principale à M. Herail pour le grand public. Alors, Christian Herail, rappelez-nous absolument. Ce qu'est une CCI. Alors, peut-être, donc, c'est effectivement la première question. Les chambres de commerce et d'industrie sont bien sûr connues des entreprises. Elles sont plébiscitées par un certain nombre d'entre elles. Mais le grand public les connaît moins. Et c'est l'occasion, Christian Herail, de effectivement nous en dire quelques mots avant qu'on passe aux grands dossiers sur lesquels, bien sûr, on va vous interroger. En deux mots au niveau national, hein, je vous épargne les chiffres nationaux. On va passer au régional avec vous. À peu près 2 300 000 entreprises qui aux chambres de commerce et d'industrie, donc le commerce, l'industrie, les services. Les chambres de commerce gèrent très concrètement des équipements régionaux, des aéroports, hein, pas loin d'une centaine encore, je ne dis pas de bêtises, une soixantaine de ports maritimes, à peu près. Et puis, alors, c'est étonnant parce que quand on pense à l'éducation, on pense à l'éducation nationale, eh bien, le réseau consulaire national, on dit consulaire hein, pour les chambres de commerce, eh bien, c'est le deuxième réseau formateur national, ça c'est étonnant, avec 420 000 apprentis, avec plus de 100 000... Je me trompe, 420 000 stagiaires, voilà. Une centaine de milliers d'apprentis, et puis tous les étudiants de l'enseignement supérieur, des grandes écoles, ça fait à peu près 170 000 étudiants. Donc ça, voilà, c'est déjà des choses très concrètes. Si vous voulez, Christian Herail, affiner, peut-être nous repréciser le rôle et mission des chambres de commerce, au-delà de ça. Bonsoir à tous. Une chambre de commerce, alors vous avez la chance d'être chez une vieille dame, étant donné que la chambre de Rouen est la quatrième qui a été créée en France en 1703. Après celle de Marseille. Alors pourquoi la chambre de Normandie, qui est celle de Rouen aujourd'hui, a été créée? C'est qu'elle représentait pour l'arrivée des marchandises par la Seine, ce fleuve, la chance d'avoir cette colonne vertébrale que l'on a en Normandie, permettait effectivement de faire venir les marchandises et les sécuriser. Une chambre de commerce, ça sert premièrement à donner de l'information aux entreprises. Nous sommes, par rapport
en tant que corps intermédiaire élu des entreprises, obligé de leur donner de l'information. La formation des hommes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour la Chambre de Rouen, c'est quelque chose de très important. On est la sixième de France dans le domaine de la formation. Alors, on a deux grandes écoles qui sont Neoma, l'ancienne école supérieure de commerce, qui est devenue Rouen Business School, et qui s'appelle Neoma aujourd'hui, parce qu'elle a fusionné avec l'école de Reims, qui est au même niveau que celle de Rouen, et c'est une très grande école. Ensuite, on a également une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ESIGELEC, qui forme tous les ingénieurs en électronique embarquée, qui est en plus une des spécialités de notre région de cette manière-là. Et puis on a un centre de formation d'apprentis où on a 1200 apprentis dans des métiers de base correspondants. Ça, c'est CFA. La deuxième partie. Le CFA. Le CFA, Par exemple, les métiers de la restauration. Les métiers de la restauration, les métiers de bouche, les laborantins, les laborantines, tout ce qu'il peut y avoir où il n'y a pas de formation faite à côté spécialisée. Et puis, à côté de l'information, de la formation, il y a tout ce qui est l'appui et le développement des entreprises, c'est-à-dire de la création de l'entreprise et sur l'accompagnement de tout son développement au fur et à mesure, qu'elle soit de l'industrie, du commerce ou des services. Ensuite, ils peuvent passer à l'international. Une grosse partie de développement à l'international pour beaucoup d'entreprises, PME, qui souhaitent développer effectivement leurs activités. Vous les accompagnez. Et on les accompagne sur tout ce domaine. Tout ce qui est appui, sur l'innovation, sur tout ce qui peut toucher ces entreprises correspondantes. Et le dernier point est tout ce qui est le service études. Et là, on a en charge de l'accompagnement du territoire, du développement des territoires, qui permet aux entreprises de pouvoir se développer par l'aménagement du territoire. Et notre rôle d'intermédiaire par rapport aux politiques qui, eux, détiennent les décisions des grands investissements, de leur dire les besoins et les attentes qu'il y a. Je prends un exemple, par exemple. Il y a à peu près une dizaine d'années, on savait qu'on était en manque dans notre région de pépinières d'entreprises. Qu'est-ce que c'est qu'une pépinière d'entreprise ? C'est une couveuse dans laquelle les créateurs d'entreprises viennent. Mais au début, ils n'ont pas de salariés, ils sont tout seuls, ils ont leur projet, ils se mettent en route. On a donc construit un bâtiment, on les a mis dedans et on les accompagne et on les appuie au quotidien pour lancer leur projet. Et maintenant, il y a dans notre métropole, notre grande métropole du Grand Rouen, on a la chance d'avoir 6 pépinières. Alors une gérée par la Chambre, qui s'appelle Innovapol, et les autres que vous avez certainement déjà fait visiter sur votre chaîne de télé. Alors, juste avant de passer à des dossiers très précis sur lesquels on va vous interroger, les chambres de commerce, alors rappelons qu'elles sont, elles sont gérées par des entrepreneurs qui sont les élus, mais aussi par des permanents qui, eux, sont des salariés. Voilà. Et donc, ce sont à la tête des chambres de commerce. Des élections tous les 5 ans, des élections tous les 5 ans, par rapport au poids économique que représente l'industrie, les services et le commerce. Comme dit si bien Régis, c'est un peu comme une mairie, effectivement, avec les élus et les permanents, à toute proportion gardée, effectivement. Deux mots très rapides là-dessus, parce que c'est des dossiers qui nous emmèneraient très loin, mais elles se trouvent un petit peu à un moment charnière, les chambres de commerce. Est-ce qu'elles ne sont pas, Président, un petit peu, je dirais, alors, coincées entre la RGPP, la révision générale des politiques publiques, en même temps une réforme de fond qui a été mise en place depuis 2005-2007, et puis quelquefois des concurrents avec d'autres établissements publics, voire des collectivités. Quelques mots là-dessus. Alors, il est clair que dans le passé, quand il n'y avait que le préfet, quand il n'y avait que la mairie et quand il n'y avait que les députés sur un territoire, la Chambre de commerce remplissait toute la partie économie et voilà, les choses sont claires. Clair et net. Maintenant, où il y a la région, où il y a le département, où il y a les agglos, où il y a les communautés de communes et tout, c'est un peu plus compliqué par rapport à cette organisation. Est-ce que ça veut dire que vous, vous peinez un peu à trouver votre identité ? Non, ou à la maintenir ? Non, parce qu'on a, un historique et un savoir-faire d'influence important sur lequel on peut effectivement faire avancer les dossiers. Donc par rapport à ça, par contre, sur une région comme la Normandie, où il y a 14 chambres de commerce, 2 chambres régionales, une en Haute-Normandie, une en Basse-Normandie, et puis à côté, sur les territoires, il y a 12 chambres de commerce. Une de Rouen, une d'Elbeuf, une de Dieppe, une de du Havre, une de Bolbec-Fécamp, bon, et ainsi de suite, pareil, ça fait beaucoup. En Basse-Normandie. Aujourd'hui, au 1er janvier 2016, les élus pour une seule chambre régionale, il n'y aura plus 2 chambres, une autre Normandie, une basse Normandie, il n'y aura plus qu'une seule chambre normande. Et il n'y aura plus que 5 pôles, un qui sera à Caen, un qui est à Rouen, un qui est au Havre, un qui est dans l'Eure et un qui est dans la Manche.
Alors, maintenant, merci beaucoup, Président, pour toutes ces précisions qui ont permis de bien cadrer la nature et la mission des chambres de commerce. Aussi, quelques éléments d'actualité sur leur évolution dans leur univers de concurrence, on vient d'en parler. Maintenant, des dossiers très pratiques et très concrets avec Félix Bollaz. Comment se passe la collaboration avec les collectivités territoriales? On imagine que vous n'avez pas forcément les mêmes affinités politiques avec les élus de ces collectivités. Est-ce que vous travaillez en osmose? Est-ce qu'il y a des difficultés? Nous sommes d'abord, avant tout, apolitique. Nous sommes pour le développement de l'économie, des entreprises et du territoire sur lequel sont les entreprises. Voilà notre rôle et notre mission. On travaille forcément avec tout le monde. On travaille avec les maires. Là, il va y avoir des changements de maires qui vont se passer. Obligatoirement, on doit pouvoir travailler avec tout le monde. Je suis président de la Chambre de Rouen depuis 1999. J'ai vu plusieurs maires se succéder. J'ai vu plusieurs présidents d'agglo se succéder. Je suis le président de la Créa maintenant, le président de la Métropole future. Tous ces changements-là, on travaille avec tout le monde. La même chose avec la région, quand le président de région change, le président de département. On est dans une période actuellement où c'est vrai qu'on a pas mal de changements actuellement qui se font sur notre Haute-Normandie. Vous travaillez avec tout le monde, mais est-ce que c'est constructif? Ah oui, c'est constructif. Obligatoirement, sur les études que l'on est obligé de faire par rapport, par exemple, aux infrastructures et aux manques et aux besoins d'infrastructures. Il est clair que sur ces dossiers-là, le dossier, par exemple, de ce que correspond le contournement Est. Sur le contournement Est, ça fait 37 ans que la Chambre de commerce a fait les études des besoins qu'il pouvait y avoir. Enfin, je crois que maintenant on arrive au bout du tunnel et qu'on va enfin voir sortir ce contournement Est comme les problèmes sur... c'est plus sur les infrastructures qu'on est obligé de faire, sur les zones d'activité, sur toutes ces choses-là, on a besoin... Alors les zones d'activité, vous avez signifié que le problème était en phase de se régler. Vous confirmez ou il y a encore du travail à faire? Mais il y a encore forcément à faire parce qu'aujourd'hui, les obligations, les lois sur l'air, les lois sur l'eau, toutes les obligations qu'il y a avant de redéfinir soit des anciennes friches industrielles, soit des lieux correspondants pour l'implantation des entreprises, avec les plans locaux d'urbanisme faits dans les villes, où aujourd'hui on veut plus d'habitants et un peu moins d'entreprises, il y a besoin de remettre ces entreprises sur des parcs d'activités. Donc là-dessus, on travaille et nous-mêmes, on fait de l'installation d'entreprises sur des terrains que la Chambre achète et installe. Mais on travaille également complètement en réseau avec la Créa sur ce sujet. Concernant les infrastructures, un autre dossier brûlant, l'aéroport de Beauce. Frédéric Sanchez a demandé une réflexion à ce propos pour savoir si on continuait, on arrêtait. Vous décidez courant janvier 2014. Quelle est votre opinion là-dessus? Alors, sur l'aéroport, c'est connu depuis longtemps que une métropole, si on veut s'appeler une métropole, je ne connais pas d'autre métropole en France qui n'est pas un aéroport. Aujourd'hui, le déplacement des gens, de nos collaborateurs, des chefs d'entreprise, et puis évidemment de la population, et de pouvoir se déplacer sur des journées pour aller traiter un marché, pour aller travailler sur le terrain. Donc il faut pouvoir avoir et offrir le service qui aujourd'hui n'existe pas dans notre métropole, et par tous les moyens, il faut que nous ayons quelque chose de proximité pour pouvoir assurer. Parce que sur l'attractivité de ce territoire, faire venir des entreprises, quand elles se rendent compte qu'il n'y a pas d'aéroport, et qu'il faut 2h30 pour aller à Orly, et à peu près 2h30 aussi pour aller à Roissy, mais quand on y va, il faut revenir le soir, vous imaginez, pour les collaborateurs, ce que ça représente au point de vue difficulté. Mais est-ce qu'il est rentable? On parle de 8 à 9 millions d'euros pour assurer la maintenance. On n'est pas aujourd'hui sur une question de rentabilité. Je ne pense pas qu'aucun transport ne soit rentable. Aujourd'hui, si vous prenez le Théor, si vous prenez le métro, si vous prenez les bus, c'est pas rentable. Aujourd'hui, c'est un service qu'il faut avoir, c'est un service qu'il faut donner, et pour l'attractivité de ce territoire, c'est de faire venir des entreprises pour qu'elles s'installent, qu'elles créent de l'emploi et qu'elles aient une activité. Les entreprises aujourd'hui, elles ont besoin de tous les moyens de transport qui existent. Donc il faut qu'on leur donne la proximité. C'est vrai que c'est un problème, la proximité de Rouen, par rapport à Paris. Il faut donc qu'on trouve une solution correspondant, soit par Beauce, soit d'autres solutions. En tout état de cause, pour les entreprises de Rouen, ça ne peut pas être Deauville,
parce que les gens ne retourneront pas en direction de Deauville s'il arrive le moindre problème, hein, une panne automobile ou n'importe quoi. C'est mieux d'être parti en direction de Roissy ou en direction d'Orly, parce qu'on est sûr d'avoir d'autres avions, alors que sinon on n'en aura pas d'autres. À ce propos, les présidents des collectivités considèrent que Deauville sera l'aéroport de la Normandie. C'est peut-être un point de discorde, justement. Mais aujourd'hui, je n'ai pas encore vu de ligne régulière venir s'installer pour faire effectivement une activité qui permettrait d'avoir des hubs en France sur lesquels on peut aller à 30 ou 40 destinations différentes. Est-ce que l'aéroport de Rouen n'a pas raté le coche au moment où Ryanair envisageait de s'installer à Rouen et a plutôt choisi Beauvais, justement ? Alors, je vais vous dire une chose. Le président de la Chambre de commerce de Beauvais, qui est celui qui gère l'aéroport de Beauvais, me dit « Heureusement que tes politiques ne veulent pas faire d'aéroport à Rouen, parce que nous, Ryanair, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est Rouen. Parce qu'aujourd'hui, le départ de leur ligne et de leur Bucar se passe de la Porte Maillot. Venir de la Porte Maillot à l'aéroport de Beauce, c'est quand même beaucoup plus simple que de partir de la Porte Maillot pour aller à Beauvais. Parcours du combattant. Pas facile. Et quand on sait en plus que près de 70% des businessmen qui prennent l'avion sont dans l'ouest du bassin parisien, donc se trouve effectivement, la Porte Maillot étant dans l'ouest, dans la même comparaison que ce que l'on peut avoir par rapport à ça pour Rouen. Donc aujourd'hui, il faut offrir tous les services que les gens attendent. Alors on a très bons services de bus, on a très belles pistes cyclables, on a des problèmes de difficulté actuellement de circulation automobile avec le problème du pont Mathilde, mais on a pas mal de choses. Le contournement Est nous manque d'une manière très forte. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il existe aussi l'aviation. Un petit mot, sur ma rubrique, qui est le sport. On n'a malheureusement pas de sport de haut niveau collectif, hormis le hockey sur le hockey, le hockey. On est fiers de notre équipe, même si c'était difficile ce week-end. J'en suis entièrement d'accord, on les soutient évidemment. Mais un petit mot sur... on n'a pas de club de haut niveau sur les sports médiatiques. Est-ce que ça joue sur l'intérêt que peuvent avoir les entreprises à venir dans la région ? Je sais pas. Le sport et bien sûr les sponsors que représentent les entreprises et tout ça jouent ensemble très fortement, on le sait. Par contre, ce n'est pas que le sport qui crée l'activité, c'est plutôt l'activité qui peut permettre d'avoir effectivement du sport qui arrive à côté. Mais c'est quand même l'activité économique, c'est quand même la valeur ajoutée de l'entreprise qui permet de faire de l'emploi et de faire venir du sport. Félix Bolles, vous vouliez revenir sur un point. Pour conclure sur l'aéroport, vous dites que vous avez expliqué les avantages que présentait Rouen par rapport à Paris, mais est-ce qu'il est trop tard, selon vous ? Il n'est jamais trop tard pour avoir les bonnes idées et revenir sur les idées du passé qui disaient non, 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 on ne veut pas d'aéroport, on ne veut pas allonger une piste, on ne veut pas faire de développement. Il n'est jamais trop tard pour faire ça. Vous pensez pouvoir encore séduire une grande compagnie qui développerait l'aéroport ? Aujourd'hui, gérant l'aéroport à 50% avec la Créa, 51 la Créa, 49 la Chambre, je pense qu'on doit trouver des solutions pour solutionner les attentes et les besoins des 800 000 personnes qui vivent dans le Grand Rouen. Très bien. Pour finir, Christian Hérail, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen, quelques éléments rapides, le temps nous est compté, sur votre vision pour l'avenir. Quels vœux, on est en début d'année aussi, c'est encore l'époque des vœux. Alors ces vœux du président Hérail pour le territoire, on va dire à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Alors on laisse le contournement d'Est, on imagine qu'à 20 ans il sera fait. Oui. Même à 8-9 ans. Même à 8-9 ans, ça fait 40 ans. Indépendamment, pour terminer, la vision importante de cette région, qui a toujours été, et je vous parlais de 1703 tout à l'heure, une région qui a vécu des révolutions industrielles depuis le début de l'industrie. On est actuellement dans une transformation de l'industrie. On reste une région avec 27% de PIB industriel. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'autres régions en France qui n'ont pas ça. Donc aujourd'hui, pour faire cette mutation sur les terrains que l'on a, pour être attractif, faire venir des entreprises et se développer par rapport à l'éolien, par rapport à l'électronique embarquée, par rapport à tous les pôles de compétitivité, les filières que l'on a dans cette région, on a tous les atouts. On est béni des dieux par rapport à ça. Et je resitue aussi une autre chose, c'est que le développement en métropole vient enfin repositionner Rouen, même s'il y a 13 métropoles et on ne faisait pas partie des métropoles avec Rennes. Mais en réalité, notre poids économique, c'est qu'on est la 8e par rapport aux 13 autres. Alors bien sûr, il y a la très grosse à côté, qui est la métropole parisienne.
mais on a tout à tirer. Donc, président, juste pour ceux qui nous regardent, Rouen et son environnement est donc éligible au statut de, administratif de métropole, qui est le statut qui est dans un an, qui est donc au-dessus de la communauté d'agglomération. Donc tous ces atouts-là de devenir métropole et d'avoir la chance qu'entre Paris et la mer, d'avoir juste au centre une métropole qui rayonne sur 360 degrés, avec toutes les activités qu'elle a, en industrie, en service, en culture et dans tous les domaines, on a tous les atouts pour pouvoir faire bien. Donc je suis optimiste sur les 10 ans, une fois la crise passée, et ben ça fait du de bien, ce qui pourra ça, se passer. Ça fait du bien, un point de vue optimiste. On essaie ici de montrer plutôt les choses qui vont bien que les choses qui vont mal, parce que les choses qui vont mal, on nous les assène tellement. Donc vous êtes plutôt optimiste, président. Je suis optimiste, je pense qu'aujourd'hui, tout passe au vert pour avoir tout ce que nous manque à Rouen pour pouvoir faire de vraies activités économiques et un vrai développement des populations qui vivent sur le terrain. En tout cas, vous l'avez dit, on en a les atouts. Félix. On reparlera de la métropole dans l'info du jour, justement, pour écouter le président de la CREA à ce propos. D'accord. C'est fini, messieurs ? Oui. On pourrait continuer, et c'est passionnant, c'est les infrastructures. Là, il y a deux choses importantes sur un territoire. Bien sûr, les gens qui y sont, qui y vivent, qui y travaillent, mais c'est la façon dont on l'aménage, c'est la façon dont on organise l'économie. Et on a bien compris que vous étiez partie prenante avec la Chambre de commerce et les chambres de commerce qui vous environnent sur la structuration de ces territoires. Merci beaucoup, Christian Herreil, d'être venu en ce début d'année nous donner votre point de route sur ce territoire et sur ses visions pour l'avenir. On retient que vous êtes optimiste, entre autres sujets qui ont été abordés ce soir. Merci encore d'avoir choisi ce soir le plateau de LCN. Merci maintenant, de m'avoir invité. Merci. Un petit peu de publicité. Ensuite, c'est le point actu du jour, le point info avec Félix Bolaise. Et puis après, si vous voulez entendre chanter des pierres, elles sont là à côté du président Herreil, eh bien restez bien sûr avec nous. Si vous voulez entendre Régis Legrand déchanter sur la glace. Peu, vous voulez entendre déchanter Félix Régis Legrand sur la glace, eh bien restez avec nous parce que bien évidemment il sera question de hockey. Pub, info et on se retrouve juste après.